Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fond Nord. J'espère que la vidéo vous plaira. Bonne vidéo. J'avais des questions. Madame, pourquoi cette forteresse? À première vue, ce n'est qu'une réserve. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes là. Ces barbares, ils ont l'air d'honnêtes gens. Pas vrai? Oui. Ils se soutiennent mutuellement, comme s'ils n'étaient plus. Mais ce n'est qu'une façade. La nuit tombée, ils se sautent à la gorge, tout comme nous. S'il y a des loups parmi eux, ne faut-il pas les libérer? J'avais de nouvelles questions. Cette fois, les réponses tarderaient à venir. Des catapultes! Ne vous arrêtez pas! Le scepticisme équivalait à la mort. Mais l'intégrité exige le doute. Mise à l'eau. Ne vous arrêtez pas. Je ne pouvais rien faire d'autre que de protéger le bélier et de prier. Mise à l'eau. À un moment donné, il y aura des archers là-bas. Et je sais qu'ils vont tirer sur le bélier. Nous étions en plein territoire ennemi. Nous ne pouvions qu'avancer. Je dois les aider. Mise à l'eau.
Les servants. Les Vikings ont toujours guerroyé entre eux, bien plus que contre lui. Il est dans leur nature de se repaître les uns des autres. Or, cette nature leur a été volée. Mettent un point d'honneur à distribuer équitablement leurs vivres. Tout passe par Svermgard. Durant l'hiver, l'essentiel est stocké sur place. Les servants. Svermgard, nous savions que dès le lendemain, le port grouillerait de Drakkar et que leur armée nous anéantirait. Je comptais être parti bien avant leur arrivée. Svermgard,
Nous savions que dès le lendemain, le port grouillerait de Drakkar et que leur armée nous serait retirée. Je comprends. Relève-toi. Notre invasion signée l'arrêt de mort des Vikings. N'était-ce pas la raison de notre présence? Les forteresses, j'en avais déjà assiégé. Alors pourquoi ce trouble? Je suis Apollyon. Je viens donner une leçon. Voilà trop longtemps que les proies apeurées parmi les Vikings colportent leurs pelouses songères. Cette époque est révolue. C'est une bourgade, un comptoir. Nous aurions pu venir à bout de ce portail avec un bélier plus petit. Mais il aurait fallu du temps, et les Vikings l'auraient mis à profit pour se renforcer.
de garnison. Légendaire chef Gudmundur. À une autre époque, il aurait été roi. Un guerrier d'exception, adulé de son clan. Son adversaire était appelé à rejoindre la longue liste de ses victimes, ou à devenir une légende. Prépare-toi à mourir. Je sais maintenant ce qui me hantait alors. Peace.
donc en enfer. Mince. Qu'est-ce qu'on fait là? Je le sais très bien. Femme. C'est là qu'ils stockent leurs céréales. Il n'y aura pas d'autres récoltes. D'ici l'hiver, ils s'entretueront pour s'approprier le peu qu'il restera. J'ai juré de combattre. Pour la paix. Toi aussi. Vous tous. Hey. C'est vivre. Pourquoi est-ce qu'on ne brûle pas tout? À ton avis, qu'adviendrait-il des clans si nous le faisions? Ils mourraient de faim. Ils s'uniraient. Et si nous leur laissons juste de quoi en nourrir deux ou trois, ils s'entretueront pour avoir les restes. Et les loups parmi eux s'éveilleront. Nous ne venons pas pour les tuer, mais pour leur révéler leur véritable nature. Les libérer. Il est temps de rentrer. Bon, on vient de finir le premier chapitre, le chevalier. Le prochain épisode, ce sera les vikings. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.